What's going on, guys, et bienvenue pour Cold Fear. On va même pouvoir mettre le jeu en français cette fois. Donc Cold Fear est sorti en 2005 sur PlayStation 2 et Xbox en mars, et en avril plus tard, même année, sur PC aussi. Donc vous pouvez trouver la version PC. La version PC, bien sûr, plus jolie, plus nette, donc je conseille celle-là. Pour le moment, on va jouer à la version PlayStation 2. Alors j'ai la version européenne, mon émulateur me dit que nous sommes à 60 Hz. Mais j'en doute, donc ça va être chiant à jouer. Mais en tout cas, j'avais déjà commencé un playthrough il y a plusieurs années, 3, 4, 5 ans peut-être, de Cold Fear, mais je l'ai jamais fini. Peut-être que je le finirai un jour, mais je le connaissais pas à la base, et j'ai bien aimé quand j'y avais joué. On va regarder les... Oula, non, c'est lent, en voyant les menus s'afficher comme ça, ou alors c'est peut-être un choix artistique, mais c'est lent. Bref, on va lancer le jeu, on y va. Donc, Cold Fear, littéralement peur froide. Donc, comme j'ai dit, Resident Evil 4 est sorti exactement la même année, donc ça reprend un peu le même système de vue. Par contre, à la limite, si je devais vraiment, encore une fois, comparer les deux jeux, je dirais que Cold Fear est plus un côté ancien Resident Evil que Resident Evil 4, parce que Resident Evil 4 est quand même plus action, mais là on va dire que c'est plus horreur en fait, horreur, survie, donc voilà. Mais c'est plutôt cool, franchement ce jeu est bien, ce jeu est plutôt cool. Mais quand il est sorti, bah j'en ai jamais entendu parler en fait, donc j'ai dû le passer. Je pense qu'à l'époque j'avais eu la GameCube en fait, parce qu'il y avait Resident Evil 4, donc j'avais eu tous les Resident Evil, parce qu'après ils ont ressorti tous les Resident Evil dans 1, 2, 3, il y a eu le 0 aussi, il y a eu le 4, il y a eu Code Veronica et tout, donc j'étais occupé sur la GameCube sûrement. Donc c'est pour ça que j'ai dû passer à côté de jeu, je pense. Répondez, bordel Hernandez, répondez-moi! Bordel. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne reçois plus rien. Marcus, Lo, vous m'entendez ? Allez, donc en tout cas, ça se passe sur un bateau, un paquebot géant. Et il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc nous, on est un mec de garde-côte, je crois. Tom Hansen. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Et on est envoyé là-bas sur le bateau. Si l'USS Ravenswood. Nous venons d'arriver à proximité du navire et nous allons effectuer une fouille. Fin de transmission. Et voilà. C'est lui. Oui, il se la pète un peu, ouais. Légèrement. Ils l'ont pas mis en valeur du tout. La façon dont s'est dispositionné la caméra, tout ça, la vue et tout. Non, ils l'ont pas mis en valeur du tout. Ok les gars, vous savez quoi faire. Hansen, tu te charges du pont principal bas bord. Fais attention, t'es en solo. Pourquoi lui il a tous les trucs sympas? Parce qu'il est plus mignon que toi, De Santos. Mais maintenant boucle là. Cet endroit me fout les jetons. Oh, comme il tangle le mec. Des économies de munitions, ils sont, on s'en fout. Vous avez compris, on serre les rangs. Alors on peut. T'as entendu ? Bah quoi ? C'est quoi ? On peut cibler comme ça. Ces vieux baleiniers russes schlingent comme pas possible. On peut sprinter aussi. Alors on peut pas bouger la caméra par contre. Mais on peut se mettre en mode comme ça là en fait. Viser constamment, je crois. Ouais, voilà. Mais enfin, je crois que ça cible automatiquement, je suis pas sûr, c'est un peu étrange en fait les contrôles. Donc là je l'ai mis en mode comme ça, donc il vise constamment. Donc ouais, c'est cool. Mais après je peux choisir de viser manuellement, enfin j'ai la caméra dans le dos là, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Bon, par contre c'est sûrement, ça désoriente un peu parce que ça tangue à droite à gauche. Donc si vous êtes facilement malade en fait avec les vidéos, vous risquez d'avoir un gros problème avec ça. Parce que ce jeu est quand même pas mal. Mais sinon c'est bien fait. Franchement, j'avoue que c'est... Oh la vache.
J'avoue que l'effet de l'eau et tout ça, le... on se sent bien qu'on est sur un bateau, quoi. Ça fout limite les boules, quoi, de d'être là. La résistance, c'est une, c'est le, l'endurance, en fait. Parce que vous pouvez pas sprinter constamment dans le jeu. Je dois trouver ce code. Je crois qu'il faut aller de l'autre côté, je pense. Eh oui, des fois... des fois, vu qu'on est sur un bateau, il y a les choses qui bougent. Il faut les éviter. On peut se baisser, voilà. On peut se baisser avec le joystick. Ça, si on clique sur le joystick. Il y a des choses qui peuvent nous blesser, genre objets et tout ça. Et bien sûr, monstres, hein, évidemment. Oh, je me suis encore fait toucher. Ah. L'émulateur rame un peu là, j'avoue. Ah, c'est bon. Hop, des balles, vite. Quand on est en extérieur, le, l'émulateur a un peu de mal. Là. Ces navires russes n'ont pas la même configuration que les nôtres. Je saurais bien lire les inscriptions pour m'orienter. Voyons voir si je me souviens bien de mon russe. Je pourrais peut-être tirer là-dessus. Je pourrais peut-être tirer là-dessus. C'est déverrouillé. Eh oui, c'est comme ça qu'on déverrouille en Russie. Ouais, j'avoue que les parties à l'extérieur avec l'eau, tout ça, le, l'émulateur rame un peu. Mais j'ai sûrement pas utilisé les bonnes configs. Hey. Ce mec. Ouh, dans la tête. Bon, les mecs, ils sont pas très très bons tireurs. Rien du tout. Valve doit contrôler le système d'extinction. Hop. Voilà, le gameplay est plutôt sympa. Après, dans beaucoup, mais alors énormément de jeux, je crois que le dernier que j'ai montré dans les jeux du passé, c'était Resident Evil Dead Aim. Vous vous rappelez, ça se passait sur un paquebot aussi. Mais le paquebot, qu'est-ce qu'il était horrible. Ah, bah tiens, j'aurais pu tirer dans le tonneau, je crois. Vous vous rappelez de Resident Evil Dead Aim, c'était horrible parce que le paquebot, en fait, c'était des copies. Genre, le paquebot, vous tirez un trait au milieu, et les salles de droite, enfin de bâbord, sont exactement les mêmes salles que celles qui sont à tribord. C'était tout une copie, c'était tout. Je pense pas qu'il ait dit juste seulement fils de pute, mais bon. C'était atroce parce que tout se ressemblait en fait, tout était identique. Et il n'y avait aucune vie en fait dans ce paquebot. On voyait qu'il n'y avait vraiment aucune vie. Et là dans ce jeu là, non, en fait c'est tout l'inverse. C'est que le paquebot est vraiment plein, il y a des gens dedans. Il est compliqué à naviguer parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très différent en fait, je trouve. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans les jeux vidéo par rapport au gros paquebot, ils font ou des erreurs, ou alors c'est pas vraiment... Enfin, c'est bâclé, c'est mal fait. Alors que là, j'avoue qu'il est très bien fait. Mais bon, enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Genre, il y a des rats, tout ça, il y a des caisses un peu partout. Et choses bizarres. Il veut rien dire ? Non, il veut rien dire. Ça fait du bien. Ah, il s'est soigné, ok. Il y a des choses bizarres. L'ambiance est bien faite. Si vous regardez les graphismes sont bien. Hein, on est au niveau du... On est de la bonne PS2 quand même. Hein. C'est pas pourri. Hein. Donc c'est bien. Alors que Resident Evil Dead Aim, franchement, il était moche. Hein. Enfin, il était vide, c'est ça le problème. Il était très vide. Là, ça va. Espèce de salaud, qui que tu sois, ouvre cette porte tout de suite.
ici qui me parle. Je dois trouver ce code. C'est français qui essaye d'avoir des accents. Oh. Je crois qu'on peut se mettre... Ouais, voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est stylé comme ça. C'est un peu bizarre de jouer comme ça, mais... On peut même viser au-dessus, non? Non, on peut pas, c'est juste tout autour. Voilà, quand il fait nuit, en fait, vous mettez en comme ça et... Et vous pouvez voir... Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Des balles, ok. Y a rien. Y a rien. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Parce que là j'appuie sur la touche action en fait pour voir s'il dit quelque chose, mais en fait il dit rien. Mais j'ai l'impression qu'il range son arme. Vous voyez? Hop, interaction. Voilà, enfin, c'est un très beau petit jeu je trouve moi. Call of Fear est très bien fait. Et puis comme je disais, il y a voilà, il y a des un peu effets cinématiques dans le genre où c'est que l'ambiance elle est bien faite et puis le thème, la trame est plutôt joliment faite quoi. Ça se tient, tout se tient. Il n'y a pas trop de clichés, rien. Super, c'est verrouillé. Super, c'est verrouillé. Pas besoin de trousse de soins pour le moment. Après, on a pause et on a normalement un inventaire, je crois. C'est quoi objectif? C'est lancing qui a le code radio d'urgence. Il doit être sur le pont avant. Ok, on doit aller sur le pont avant donc. Bien sûr, on va avoir d'autres armes après, plus tard. Classique, fusil à pompe, etc. J'aime bien, ça tombe toujours en fait. Il y a un mec. Une page du carnet. Des balles. Rien sur lui. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils utilisent en fait le système de caméra fixe. Il garde en fait le côté ancien de Resident Evil, donc avec caméra fixe. Mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre à la troisième personne comme ça. Et ben là, vous pouvez voir en fait les endroits que normalement vous pourriez. C'est quoi, baleinier ? Je vais avoir besoin d'une clé électronique pour ouvrir ce truc. Les répliques, putain. Parce que normalement vous pourrez pas voir, mais là vous pouvez le voir à tout moment parce que vous pouvez passer avec la vue à l'épaule. Ça qui est bien, franchement j'aime bien moi ce mix en fait de vue. C'est plutôt cool. Plutôt bien fait. Boîtier électrique, document. Alors, selon la méthode également, il a tiré sur le boîtier électrique de la porte 114 qui a explosé. Les câbles dénudés sont entrés en contact avec une flaque d'eau au sol. La porte s'est finalement ouverte. Et mort électrocuté. Cool. Alors après, si je me rappelle bien, le paquebot est grand. Et vous allez évoluer, en fait, oula, tout le temps sur, sur ça. Et... J'avoue que c'est... Des fois, on se perd un peu. Tous les types de munitions y sont stockés. Certains sont particulièrement instables. De plus, vu dans notre environnement, il est rare que les corrosions rendent la manipulation des munitions délicates. Etc, etc. Donc là, je crois qu'on peut récupérer nos munitions. Voilà, on peut... C'est à l'infini, je crois bien. Dans le truc de soins, dans le coin médical, on peut se soigner à l'infini. On peut tirer. Okay. Et dans l'armurerie, on peut récupérer les balles à l'infini. Je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Ce système, j'aime bien, moi. Plutôt sympa.
on était là. Je vais juste faire les autres portes. Non, c'est pas une porte. On venait de là. On se perd un peu. Hop. Caméra qui tourne. Ok, on a fait ça. On peut se baisser, comme j'avais dit. Le gameplay est très potable. Le gameplay est très 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 potable. Après, il y a R2, L2. Je crois que c'est pour changer d'arme, mais pour l'instant, on peut pas. Parce qu'on en a pas. Ouais, je crois que c'est pour ça. Ouais. On va retourner là. Hop. C'est possible que j'ai loupé quelque chose ici. Vu qu'on voit que dalle. Ouais, normalement on devrait pas voir parce que la caméra est fixe, mais là on peut voir avec avec ce système de visée. C'est ça qui rend ce jeu en fait vraiment pas mal, enfin je trouve. Et il y a du gore, voilà. Éclaboussure sur l'écran, décapitation, démembrement. Donc ça je trouve ça pas mal. Ça rajoute en fait au côté gore quoi. Je dois trouver ce code. Ça rajoute pas mal au côté gore, donc je trouve ça bien fait. Alors, on n'est pas allé là, je crois. Je sais plus c'est lesquels d'escaliers, c'est ceux-là ou ceux d'en bas? Ah, c'est ceux d'en bas qu'on n'a pas fait. Donc on va descendre. On peut recharger, hop. Je pense qu'il a rien envié à un Resident Evil. Surtout que, au final, bon, Resident Evil 4 il a très bien marché, mais il aurait pu ne pas marcher. Et Cold Fear en fait aurait pu combler ce survival horror en fait, ce manque de survival horror dans Resident Evil 4. Genre être comme ça dans l'eau là, c'est quand même pas très reposant quoi. Hein. Il pourrait avoir quelque chose dans l'eau, il pourrait... Enfin voilà quoi. Clé du pont supérieur, voilà. Des balles. Oh putain. Je me suis fait accrocher par un truc. Là on peut monter. Alors je crois qu'on peut tirer mais... Sur ça non. Je vais devoir trouver le portail qui permet d'ouvrir cette porte. Ok, je crois que maintenant c'est par intervalle en fait. Attendre un peu. Non, c'est bon, on est bon. Je vais me faire électrocuter, je sens. Ouais. Même le corps, vous avez vu que le corps il frétille. C'est marrant ça. C'est bien fait. On va passer par là. Si je peux. La pression de l'eau est trop forte. La porte est bloquée. Attends, on va crever, on va se faire électrocuter. La pression de l'eau est trop forte. Vite. Oh la vache. J'aurais pas dû faire ça. Mais je crois qu'il faut le faire parce qu'il y avait les câbles qui montaient. Donc ça doit ouvrir une autre porte en fait. On va juste récupérer des munitions. Enfin quoi que j'en ai pas vraiment besoin en fait. Ce qu'il me faudrait c'est de la vie surtout. C'est de la vie. Merde, c'est pas là qu'il fallait aller. Non. Désolé. Désolé. Je crois pas qu'on ait la carte encore du bateau. Je crois que c'est plus tard. Objet, clé du pont supérieur. Qu'est-ce que ça me dit? Clé permet d'accéder au pont supérieur qui conduit à la fois à la salle de radio et à la proue.